Le crédit relais, est-ce que vous connaissez? Ben, je pense que oui. J'espère que vous connaissez le prêt relais. Alors, d'autant plus que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui sur un marché qui est tendu, voire ultra tendu sur certains secteurs, où la plus grande difficulté aujourd'hui n'est pas de vendre, mais elle est d'acheter, voire même de louer. Mais une fois que vous avez choisi de vendre votre bien, la deuxième question est de savoir qu'est-ce qui se passe dans 3 mois, une fois que j'aurai vendu mon bien. Donc ça, il faut bien sûr l'anticiper. Alors il y a deux options qui s'offrent à vous. La première option, c'est de partir en location. Mais ça veut dire derrière concrètement qu'il y aura 2 déménagements. Et puis potentiellement, ça va être coûteux parce que vous devrez vous loger, donc partir en location pendant 3, 4, 5 mois, 6 mois. Et la deuxième option, c'est potentiellement faire appel à un prêt relais. Un prêt relais, c'est quoi? C'est une solution que votre banque va vous proposer pour vous permettre d'acheter votre bien avant d'avoir vendu votre propre bien. Donc il y a des avantages à cela, c'est que forcément vous n'aurez qu'un seul déménagement et que vous serez beaucoup plus réactif, notamment lorsque vous ferez une offre d'achat pour acheter, vous saurez déjà que vous pouvez acheter avant même d'avoir vendu votre propre bien. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici du pré-relais, hein. Je vous invite à contacter votre banque pour ça. C'est assez. Je sais qu'il y a beaucoup de solutions qui peuvent vous être proposées par votre banque. Mais en tout cas, ça va vous apporter une vraie flexibilité. Même si le pré-relais n'a pas forcément une bonne presse, mais vu que les taux bancaires aujourd'hui sont extrêmement bas, alors certes, le pré-relais va vous coûter un petit quelque chose, vous devrez payer des intérêts, mais les intérêts sont tellement bas aujourd'hui que ça a peut-être du sens vraiment aujourd'hui de faire un pré-relais plutôt que de dépenser de l'argent dans 2 déménagements, dans des locations. Donc voilà, la vidéo de jour, c'était ça, c'était pour vous sensibiliser sur le pré-relais qui apparemment n'est pas très largement utilisé aujourd'hui en France, alors que c'est, je pense, une vraie solution pour vous permettre d'acquérir votre bien avant même d'avoir vendu votre propre bien. Merci pour cette vidéo, pour votre attention, et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.